ça va Tours ? Je me suis pris 200 décibels dans la gueule à cause de vous. Waouh ! Si je suis ici sur scène, c'est pour vous raconter une histoire. Une histoire de succès fulgurant. Vous m'avez pris pour Père Castor ou Henri Dess, hein ? Une histoire de succès fulgurant et d'échec tétanisant. Une histoire... Mais non, bah ouais, c'est de l'échec tétanisant. Une histoire d'efforts surhumains et d'exploits triomphants. Une histoire d'abonnement, de rageux et de pouce bleu. Cette histoire, c'est celle d'un youtubeur qui a été écrit sur le livre d'Internet. Et je m'en vais vous lire ce livre devant vous ce soir, cet après-midi, cette période de l'année, parce qu'apprendre mon texte, c'est très difficile. Il était une fois. Il était une fois un jeune homme passionné par le rock et les jeux vidéo. Il s'ennuyait seul dans sa chambre de la maison de ses parents, tapotant les touches de son piano entre deux parties de Skyrim, elle-même entre deux parties de Mario Kart. Mais au fond de lui, il savait qu'il avait quelque chose à exprimer. Il voulait faire vivre sa passion, laisser son âme d'artiste s'envoler pour mieux toucher les gros geekos comme lui, au plus profond de leur cœur, leur kokoro. C'est pour ça qu'il se lança sur YouTube. Yeah.
listen to me, what we would do, feelings become so hard. And that dust, all of us, I can make us better. I gave it back, yeah, I have to.